C'est un partenariat gagnant-gagnant et les plus heureux sont les malades du diabète et de l'hypertension artérielle qui seront désormais mieux pris en charge. Les cliniques du diabète et de l'hypertension sont le produit d'une coopération entre le laboratoire pharmaceutique Sanofi, l'ONG Obésité et Diabète de Côte d'Ivoire et le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. L'hôpital a fait la réhabilitation. Ensuite, un partenaire privé est venu intervenir avec un équipement de pointe par rapport à la pathologie dont il est question ici. Et puis, la société civile, à travers cette association, est venue pour apporter sa part de sensibilisation, sa part de mobilisation. Le protocole d'accord s'étend sur 3 ans et pas sur la mise en place de 15 centres de prise en charge répartis sur tout le territoire ivoirien. J'ai eu le diabète depuis l'an 2004 et je suivais ça à Djamé. Bon, compte tenu de la distance, j'ai cessé d'aller à Djamé. Mais maintenant qu'il y ait un centre ici à Port-Boué, je reste ici. Proximité, matériel de pointe et conseils adaptés sont les promesses de ces cliniques pour un bon diagnostic et un bon suivi des patients. L'innovation de ce partenariat réside dans une prise en charge intégrée du patient. 4 centres déjà ouverts, Cocody, Agoville, Bonnois et celui de Port-Boué, qui est le dernier en date, est logé au sein de l'hôpital général de la commune.